quand nous retournons pour nous faire suite avec le 64e génie et que le messager Aziel était porté, qui a rapport avec le jeudi 25 mai 2023. Et nous connaissons aujourd'hui, nous déjà c'est lundi 15 mai, lui, c'est que nous avons 8 jours et de plus. Et génial qui c'est Meriel, qui c'est M-E-H-I-E-L. Et caractéristique, spécialité, c'est vivification. Vivification. Et là, ça lui fait partie du 64e génie. Et 64e génie, Archange. Et ça permet ou capable de assez de temps pour essayer de comprendre qui s'accueille tu es là, qui s'accueille là, et ou capable de en communication avec Jou, cap capable du jeudi, cap 25 mai et 2023. Esprit au génie pour qui marchait avec lui, c'est Meriel, M-E-H-I-E-L. Pas oublier que je n'ai pas que conseil que capoter pour nous. Avant que nous fassions rituel, nous supposons commencer par essayer de mettre nous dans une dimension côté que réfléchir d'abord concernant ce qu'on va faire parce que c'est important pour nous. Et pas oublier que l'offre prière, la prière là, lui permet que pour capable relier avec les puissances spirituelles qui sont au-delà de nous toutes. Ou il est capable de mettre en contact étroit avec les anges. Ou peut-être l'ange. Cap jeudi cap 25 mai c'est Muriel et leur prier en vont commencer prier en capable respirer profondément et pendant plusieurs fois tout et ça permet que on capable méditer pour dire que je retourne à mes devoirs dans le monde et ange ou génie ça qui rapport jour à jour est capable aider à retrouver les forces créatrices divines et selon désir selon ego, peut-être, il faut avoir des idées, on l'esprit positif, qui c'est amour, fraternité, volonté. Pas oublier que nous parlons de, nous prenons ça clé d'abord, ça clé, la loi d'attraction. La loi d'attraction, il dit que c'est ou même, son bagage inéluctable, son bagage la privée quand même. C'est tout ce que tu as, c'est comme si tu es capable de dire, et bon, bon Jean Criol là. Toutes sont attirées vers ou même la bonne jeune. C'est si que gagnent l'esprit positif ou attirer de bonnes choses là, bon bagage bonne jeune. Tel que nous parlons de bonheur, nous parlons de prospérité, nous parlons de réussite et les permet tout liaison avec loi cosmique. Là nous parlons de cosmique, nous est l'univers. Pas oublier tout à l'heure me dit nous que dans début émission là, notre terre, terre ça que nous soulier qui gagne 5 continents là dedans, c'est planète Terre là, il fait partie de néant. Mais c'est une des 9 planètes qui n'envoie pas nous, voilà que t'es pas nous, qui c'est galaxie pas nous. C'est comme si on prend vers là, Terre là, il est supposé, il est dans le vide. Pas qu'il y a rien qui vient Terre là. Pièce rien pas qui vient Terre là. Mais Terre là, certes, par le des principes qui parlent entre qui s'appelle la et force de la gravitation et qui s'allie, c'est tout qu'on qui croit les attirer qu'on publie puisque Soleil là. Dans lieu là, lui permettre que Terre les contourner autour de lui. C'est loi de la gravitation et nous va dire que Terre là par rapport de position que il y a, c'est une position très exacte. Si tu es plus près, plus loin, c'est dégâts, c'est conséquent. C'est que l'univers, l'univers ou les astrophysiciens ou les astronomes pourquoi finalement pas essayer définir, comprendre merveille ça, c'est que pour nous, il y a quelque part, il y a des esprits, il y a des esprits, des génies qui sont au-dessus de nous. Et pour cela, l'ange Aziel portait message à côté, il dit que je suis l'un de ces messagers, des anges génies, et je profite de leur volonté, de leur connaissance, bien entendu. Il ne s'agit pas de privilège, mais du simple faire de vouloir servir, ce qui est la portée de tous les lecteurs de cet ouvrage. C'est que sous les 365 jours de l'année, 360 jours, on a des possibilités, nous les humains, ou même qui suivent l'émission, rituel et prière, ou même qui sont fans radio, télécos et vodou, ou même qui sont amis de la connaissance, capacité pour interpeller l'esprit, ça, qui s'appelle jeudi 25 mai, qui c'est Meriel. Et spécialité,
c'est caractéristique, c'est vivification. Vivification. Et pas oublier, nous parler de rituel, esprit qui s'est mérité là, lié à part avec rituel l'autre là. Et rituel l'autre là, nous déjà expliquons déjà dans l'émission qui est un style de rituel, qui est rituel, qui sont obligés de faire là-dedans. Et nous parlons de machine à prière qui est le sec cabalistique. Sous besoin de plus de détails, on peut toujours essayer d'écrire nous, on peut toujours communiquer avec nous, on peut toujours écrire nous ce numéro ça, il y a beaucoup plus d'informations. Eh bien, génie nous allons parler là, c'est 64e génie. Qui a rapport avec jeudi 25 mai et 25 mai selon principe Aziel, l'ange génie qui s'est messager les 360 génies. Et certes, nous avons importance à chaque fois prier qui condition fait, qui sont de mettre sous et on connaît son en blouse blanche, un foulard bleu a un rapport avec rituel de Yod. Vous d'accord avec moi jusque là. On foulard bleu et on entre dans le lieu secret, l'eau finie. Pour commencer à réciter rituel là et au cours de route, au cours d'un finissement, on peut réciter prière ça et sous besoin qu'on ait qui sacre le rituel de là, retournez dans l'émission précédente. On va prendre plus d'explications et nous prêts pour nous disponibles pour nous aider. Dans le rituel de là, qui s'allie, prière là, il dit que prière de l'ange qui c'est Mériel, archange, il dit que la vivification n'est jamais un pacte collectif. Mais une transformation individuelle. L'être vivifié est avec nous au monde supérieur. Il souhaite installer sur la terre la loi de la vie, loi du ciel. Par la prière d'abord, par ses rituels et prières. Vous voyez, par ses rituels et prières. Mais surtout en agissant tout de suite et avec amour. Car sans amour, il ne peut y avoir d'action valable. On ne doit pas travailler pour produire au profit des uns, tout en dépouillant les autres. On ne peut pas saturer les uns et laisser les autres nus et affamés, faméliques, matériellement, moralement, intellectuellement. Il faudrait aussi que ceux qui n'ont rien, renonçant d'avance à désirer le superflu, le clinquant, l'inutile, nourriture perverse des spéculations. Toi, frère qui prie, en ce moment, tu es en train de reprendre la puissance vivification de la source de vie sur toi-même et sur toute l'humanité. Par la puissance de l'esprit, on peut tout. Il est grand impulsion. Donner à l'histoire, ont été l'œuvre d'homme, des signifiants apparence au départ. Tu es en train de changer le monde, de le vivifier. On va citer nos anges, qui c'est archange, qui c'est Mériel, archange, source de vie, vivifié avec mon essence, mes sentiments, mes pensées et mes actes. Accorde-moi le discernement de voir clairement on est le bien. Aide-moi à nettoyer, à chasser les ombres, les sombres contenus de mon inconscience. Tout ce que je fais et que je ne devais pas faire, relie-moi à la source de vie pour que je marche sur le sentier de la réussite morale et matérielle qui contribuera à la création de nouveaux paradis ici plutôt possible. Ça, c'est prière que le roi a adressée avec Ange Mériel. Et par la suite, l'ordre d'état va faire. L'autre d'état a fait l'offre de ces prières là. Cette roi juste éteint baleine qui n'en met qui lui met en dans rituel là avec son cloche là, puisque dans rituel là il y a ensemble de choses qu'on fait avant en voyant ces prières. Et on t'a parlé de rituel là qui s'allie son bail qui simple, on juste habillé avec une blouse blanche légèrement sans sandales. Au centre du cabalistique opposé avec la flèche qui s'oriente vers l'est, puisque flèche a été vers l'est, et par la suite, où le même baleine, on dit que la lumière soit pendant fermer les yeux et pour ouvrir les yeux, prolonger mauvais baleine pour comme soit capter l'énergie. Par la suite, prolonger deux monstres du côté du sec cabalistique, pour ça, j'aime le jet maintenant, et après, lorsqu'on fait ça, sous gauche, on met tête du côté gauche, sous droitier, on met tête du côté droit, et pour réciter prière, ça qui a rapport avec jeudi. 25 mai, qui c'est vivification, esprit au génie, ou à quand j'en sais Mériel,
et au Étienne après rituel là, au Étienne après prière aussi, au Étienne balenant avec son cloche là, il l'a fini au devertu retiré dessous et puis au essayer aller dès qu'il information après tout ça positif que Génie ça capoté pour vous. C'est des essais font des recherches pour vous, qui ça Génie ça capoté pour vous. Mais c'est un ange de l'exaltation et de son ange du sens, l'humour et le sens égal. Lui son ange contre force abîme, contre force mal. Et lui son ange de créativité et lui permet de trouver solution intelligente. Essayez aller regarder sur Google pour qu'il y ait quelques caractéristiques ça qui s'en côté. J'aime dire nous-mêmes, nous là pour nous porter de bonnes connaissances, de bonnes choses pour vous-même, parce que c'est ça notre force à la radio, télé, Causez Vodou. Jeudi 25 mai 2023, Archange Eugénie, c'est Myriel. Rituel qui accompagne, c'est Rituel du Yod, et il fait partie de 64e, il fait partie de 64e génie du siècle kabbalistique. Merci, merci beaucoup. Et pour cela, sans plus tarder, après Posa, nous allons entrer dans 65e génie que pour nous finir, qui c'est Dambia. Dambia, qui c'est 2AMBIH. Caractéristique, c'est fontaine de sagesse. Dambia, c'est caractéristique, fontaine de sagesse. Merci, merci beaucoup.